Les débuts sont un peu timides, mais déjà quelques binômes se forment. Nathan et Marion se dirigent vers les œufs pour débuter leur date. Ils ont un peu moins de 10 minutes pour apprendre à se connaître, suspendus dans les airs. Moi, je suis arrivée sur Nice il y a 4 ans. Et à la base, je suis de Picardie. Je sais pas si tu connais. Non. C'est dans le nord de la France. On parle souvent de l'accent picard, où je t'imis, je suis de là-bas. Arrivé à 2320 mètres d'altitude, c'est déjà la fin pour ce duo et pour les autres couples qui vont devoir changer de partenaire. Elle est d'un air vraiment sympathique, ça m'a surpris, ça a l'air quelqu'un de sociable. Je pense qu'il n'a pas l'habitude avec les filles, mais c'est d'autant plus mignon, je trouve. On m'a dit, tu vas peut-être rencontrer la femme de ta vie. Oh, j'ai tracé, tout droit, tout chousse. On a une énorme différence d'âge. On l'a pris à la rigolade et c'était vraiment sympa. On a une belle vue, on a discuté un petit peu de nous et puis voilà. Non, c'était top. Finalement, Axel et Marion abandonnent les œufs pour un petit tour en snow. On se donne du mal pour que l'amour jaillisse sur nos pistes, donc on espère que ça va marcher. Et ce soir, on finit par un concert de Zouk Love pour se déhancher, coller serré sur le fond de neige. Le rendez-vous est donc pris pour les célibataires, mais aussi pour les couples.